Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, deux petites attaques et après on ouvrira le coffre au coin, c'est parti! Du coup on se retrouve avec notre petit pack opening, alors là il y a un petit truc, un petit coffre assez sympathique. Qui est bah, déjà le coffre à couronne, hein, on va pas se le cacher, sympathique. Et le coffre d'or à gauche, suite gauche, pas suite droite, mais suite. Ah bah regarde, je vais vous montrer, hein, la suite de gauche là. Et bah il a reine 8 aussi. Bon, c'est sympathique ou ça l'est pas, je sais pas. Après, ça fait moins de chances d'avoir la princesse, on sait jamais, hein, des fois, on sait jamais. Mais d'un côté, bah ça fait des cartes d'arène 8, bon, qui sont pas non plus extrêmement puissantes, mais ça peut être plaisant de tester ces nouvelles cartes. Pourquoi pas? Au moins, je pourrais dire, hé, j'ai des cartes d'arène 8. Yes. Enfin bon, voilà. Et donc, du coup, on va ouvrir ces coffres. Petit à petit, on va ouvrir du petit au plus grand. Comme d'habitude. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, il y aura deux coffres à couronne. Oui, voilà, voilà. T'es content? Oui, t'es content. Bon, voilà, il y aura un maintenant et un après les combats. Voilà, je me suis dit, allez, bon, c'est pas grave, on va mettre deux coffres à couronne. Mais bon, il faut pas que ça devienne une habitude, hein, parce que sinon, je risque d'être un petit peu en retard si je continue à faire ça. Je risque de me mettre en retard si je me mets dans la tête qu'il faut absolument que j'ai deux coffres à couronne. Donc s'il y en a pas deux, il y en a pas deux, et puis voilà. Bon, alors du coup, j'ai eu les gobelins lance, ça fait plaisir. On papote, mais du coup après, ben on commente pas. Voilà, c'est pas bien. Donc 63 d'or, ça c'est plutôt pas mal. Du coup, on gagne plus d'or. Ouais, c'est vrai que c'est sympathique ça. Par rapport à la reine 8, on gagne plus d'or et ça c'est plutôt pas mal. Moi je dis la reine 9, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Faut pas rêver. Alors, deux chevaliers, dis donc ça passe parce que c'est quand même une bonne troupe le chevalier. Et là, il y en a, ils vont dire, mais pff, vas-y, prends le géant, c'est nul le chevalier. Oui, oui, bon, c'est vrai que le chevalier c'est pas non plus extrême, mais il coûte pas très cher donc ça passe bien. Donc, esprit de feu, 8 esprits de feu, ça c'est moyen, mais si on l'utilise bien, ça peut être vraiment pratique. Coffre gratuit, alors qu'est-ce que ça donne? 70 d'or, ça fait plaisir. 2 gemmes, ça fait plaisir. Et 9 bombardiers, waouh, ça c'est génial. Bon, j'ai eu que une carte, je comprends pas pourquoi. Moi j'ai eu qu'une seule carte, enfin 9 cartes dans le cas présent, mais j'ai eu qu'une seule carte différente, c'est bizarre, hein, j'ai eu des gemmes et des cartes, enfin, et une carte quoi, c'est quand même bizarre ça. Hein. Non mais c'est juste que j'aime pas la roquette là, c'est à chaque fois qu'ils me donnent des roquettes, j'aime pas, je passe, parce que j'aime pas la roquette, c'est à la limite les boules de feu, j'accepte, c'est ça passe, en défense ça passe, mais les roquettes, il y a trop possibilité de toucher à tour. Ouais. Enfin bon, 70 d'or, ouais. Un sorcier, ça passe bien. La dernière fois, j'en ai eu 6, je m'en rappelle bien. 6 sorciers, j'aurais préféré avoir des cochons ou des valkyries à ce moment-là, mais c'est pas très grave. Parce que dans le pack opening bah, de la dernière fois, je crois, j'ai eu 3. 3, comment ça s'appelle? 3 valkyries, voilà. Alors, je suis pas trop punch. J'en suis désolé, je vais essayer un petit peu de puncher. Hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression de pas trop être punch. Hein. Ouais, je saccade, il y a beaucoup de blanc. Ouais, bon, c'est comme ça. Alors, du coup, on va tout simplement voir un petit peu ce qu'il y a dans ce fameux pack là. On gagne pas beaucoup d'or, moi je trouve. Hein, non, mais on en gagne, mais je sais pas, tu vois, on est à 4000 depuis tout à l'heure et on n'a pas encore allé aux 5000, tu vois. C'est frustrant. Bon, alors 163 d'or, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? 3 Tesla, ça fait plaisir. Enfin, ouais, non, en fait, non. Ouais, froid, c'est vite fait, quoi. Allez, 11 squelettes. Ouais, mais en ce moment, il me donne du squelette, hein, attention. Hein. Ouais, squelette, moi, j'aime bien, mais depuis qu'il a été rétréci à 3 squelettes, c'est pas trop énorme, tu vois. Alors, sinon, il y a quoi d'autre? 12 géants royales. Il n'y a pas d'intérêt pour moi, voilà. 3 fournaises. Disons que pour l'instant, je préfère ne pas l'utiliser. Je ne saurais pas l'utiliser parce que tout ce qui est bâtiment défensif, de toute façon, je répète, je le redis, je n'y arrive pas. Voilà, donc c'est comme ça. Et sinon, ça donne quoi? Là, c'est arène 8. Hein. Ah ouais, pour info, hein. 195 d'or, ça fait plaisir, on est presque à 5000. Et ben voilà! Et ben voilà! Et ben tout simplement, une nouvelle troupe d'arène 8. La preuve que je suis avec un coffre d'arène 8. Voilà, donc alors. Esprit de glace, voilà. J'étais en train de réfléchir, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir combien j'ai eu d'esprit de glace, tu vois. Seulement, j'en ai eu qu'un seul, tu vois. Enfin, parce que je voyais pas le numéro, je voyais débloqué. J'en ai eu combien? Mais oui, j'en ai eu un seul. Donc, alors, j'ai eu un esprit de glace, ce qui est plutôt pas mal. J'ai eu 8 géants royales, ce qui est vite fait. J'ai eu 19 canons, je pourrais me donner le bouliste.
Ok, d'accord. Non, 3 mousquetaires si t'as envie. Ouais, 3 mousquetaires. À chaque fois, je me fais avoir parce qu'il y a 4, 3. Tu vois, enfin, tu vois, il y a un numéro, puis il y a encore un numéro, tu vois. Donc, ça fait 4, 3 mousquetaires. Enfin, c'est... Ça fait bizarre à dire, tu vois. Donc, c'est pour ça que... voilà, bon. Alors, coffre à couronne, c'est parti. On va terminer sur un bon petit coffre à couronne. Normalement, on devrait avoir max... Oh là, presque 500 d'or. Ça se voit qu'il a rien nuit, ça se voit. Enfin, j'espère qu'il a rien nuit, d'ailleurs. Non, mais franchement, c'est obligé. Attends, 5, presque 500 d'or. C'est rien nuit, c'est obligé. Sinon, ça donne 3 gemmes, ce qui est plutôt, plutôt pas mal. Ça fait 5 gemmes en tout, ce qui est vraiment pas mal. Un sorcier, ce qui est plutôt pas mal, on va dire. Tour à bombe, bah, c'est pas trop le top. 57 esprits de glace, mais... 57 esprits de glace, mais... 57 esprits de glace. Bon, vous savez quoi, on va se faire plaisir. Non, mais c'est comme ça, et... Oh non, mais il va tout casser. Alors là, mais... Oh, comment il m'a tout cassé. Tu sais, ouais, j'ai fait « et » comme ça, tu sais, je me dis « il va y avoir une épique, il va y avoir une épique ». Et là, qu'est-ce que je vois pas? Je vois du violet, je me dis « oh, il y a une épique, il y a une épique !» Et là, qu'est-ce que je me dis pas? Le bouliste, le bouliste. Et là, ça me fait « fuck, fuck !» Non mais oh, t'es sérieux gros? T'as mis tout l'inverse du bouliste, l'Arkix. Non mais ouais, pff, non mais quand je dis tout l'inverse, ça a rien à voir, enfin... C'est... Non mais c'est juste que, voilà, le bouliste est plutôt pas mal, alors que l'Arkix, c'est nul, quoi, c'est ça le truc. Et donc du coup bah c'est pas très grave, on n'a pas le pouliste. Et ouais, franchement vous y avez cru, c'est obligé, ouais, j'en suis sûr que vous êtes comme moi, vous y avez cru, c'est obligé. Bon du coup moi ce que je vais faire, c'est que je vous dirai tout de suite pour tester ce deck, hein, bah pour faire des attaques tout simplement. Et puis après on ouvre la coffre à couronne, c'est parti. Et c'est parti, on est contre R-Zub qui est niveau 8, ça fait plaisir, voilà, donc on va faire petite bonne chance parce qu'il est niveau 8, donc on va pas faire le petit sourire, parce que si on fait le petit sourire qu'il est niveau 8, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ouh, lui il est méchant, il est pas fair play, ça m'énerve, tu vois, donc voilà, mais il va croire qu'on se fout de lui, parce que, oh, toi t'es niveau 8, je te désingue, ça fait plaisir. Non, tu vois, c'est vrai, il faut pas qu'il, faudrait pas qu'il pense que, enfin bon, on s'en fout. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être envoyer du cochon, on est au début, on en profite, on envoie du cochon, c'est pas très grave, il peut... Pff. Eh gros, j'ai l'habitude hein, de défendre contre les... Attends, même moi j'utilise, mais non, je le connais par cœur, tu vois, je sais exactement comment il faut défendre tout ça. Juste que j'ai pas les flèches, du coup ça risque de me bloquer un petit peu à ce niveau-là, mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer ça. Mais normalement ça devrait passer plutôt bien, hein. On est d'accord. Bah voilà, pas le démon là, hein. Pas le day, hein. Moi je vais te le montrer, moi aussi il est niveau 2, hein. Mais je vais te montrer moi les dégâts que ça fait, moi. Moi ça rigole pas quand ça fait des dégâts le mos de lave, hein. Ça rigole pas. Bon, normalement avec le sorcier, on devrait, s'il défend pas, on devrait pouvoir casser la tour. Normalement. Je dis bien normalement. Ah non, ça doit être limite. Alors là, ouais non, tu vois, c'est pas... Je pensais qu'il faisait un peu plus de dégâts que ça. C'est pas très grave. Bon, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va aussi envoyer du molosse de lave. Ah, t'as le démon, là, hein. Ouais, bah moi aussi, je joue au molosse de lave, mon petit, hein. Tu crois quoi, toi? Tu crois quoi? Eh, mais attends, c'est pour ça que je sais comment on défend. Bah ouais. Mais non, j'ai l'habitude, gros. Attends, ça fait je sais pas combien de temps que j'utilise ces trucs-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des hordes de garou, si possible. Je dis bien si possible, parce que c'est possible qu'on puisse pas aussi, hein. C'est pas interdit. Voilà, hop, ça passe là ou pas? C'est pas encore ça. Disons que ça passe. Ouais, ça passe bien, ça passe bien, ça va. Bon, allez, c'est parti, on envoie tout ça. Normalement, ça devrait passer. Ah là là. Oh! Il me casse ma tour? Ah ouais, à ce point-là. Alors toi, tu m'as énervé, toi. Oh, alors là, comment il m'a énervé? Mais comment je vais le désinguer, mon gars? Bah vas-y, envoie ton machin, je m'en fous, moi, j'envoie tout à droite, moi. Je te désingue, gros, je te désingue. Allez, c'est bon, il m'a saoulé, là. Oh, il m'a énervé, oh, il m'a énervé, oh, il m'a... Oh, il m'a... Wouh! Il m'a chauffé, là. Là, il m'a chauffé, je vais le désinguer. Alors là, j'ai même plus de pitié, plus rien, je te désingue, mon gars. Regardez-moi ça. Mais attends, mais il m'a saoulé, le mec! Il m'a saoulé! Ah, il m'a énervé. Je suis désolé, mais il m'a énervé. Ah, c'est comme ça, hein, c'est... Ah, moi, je me laisse pas faire, moi, hein, moi, je désigne, hein. Ouais, non, c'est parce que là, je viens d'avoir un message. C'est parce qu'en fait, tout à l'heure, on est allé dans un magasin de... de tout ce qui est ordinateur, tout ça, tout électronique, ouais. Et le truc, c'est que j'ai demandé, justement, par rapport à la RX 480, c'est une carte graphique, donc qui est déjà sortie, hein, qui est assez nouvelle, là. Qui coûte que 250€ et qui est déjà en résolution de 4K. Et en gros, le mec avait dit, bon, c'était pas non plus... Enfin, c'était pas super cool. Enfin, la qualité était pas forcément au rendez-vous. La carte graphique était pas non plus super. Et puis là, du coup, bah, mon collègue, il m'a fait... ouais, il mitonnait hein, sur la RX 480. T'inquiète, t'inquiète. Y a pas de souci à ce niveau-là. Hein, voilà, non, mais pour ceux qui...
hein, qui savent ce que c'est, qui savent ce que ça vaut. Je pense que vous avez compris, mais c'est pas pour encore, c'est pas pour encore. On attend encore, on n'a pas encore les sous, mais ça risque de venir. Ah, on sait jamais, on sait jamais. On verra bien, ça sera une surprise. Allez, moi, je vais sur ce pour une deuxième attaque, bien entendu, on va pas se terminer tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti, je suis redescendu. Je suis redescendu d'arène 7, mais c'est pas très grave. Enfin, je suis redescendu arène 7, mais c'est pas très grave. Du coup, on va dire petite bonne chance. Mais ouais, mais ça me saoule aussi là, c'est... Tain, moi j'en ai rien à foutre de l'arène 8, arène 7, tout ça, mais de pas arrêter de perdre pendant 10 ans juste pour redescendre d'arène 7, parce que c'est pas bien que je reste arène 8, parce que c'est pas encore fait pour moi. Ne cherche pas à comprendre ce que je viens de dire. C'est un délire. Voilà, donc du coup, on va le défoncer. Alors là maintenant je suis redescendu à arène 7, donc y'a plus de soucis, là je vais le défoncer, easy, hein, on va recommencer comme... Oh! T'as vu? Oui, t'as vu, ces flèches m'ont pas tué du premier coup, mais t'as carrément vu. Mais c'est génial. Mais génial. Oh, waouh. On va le défoncer. Mais regarde déjà comment on l'a défoncé. Mais regarde-moi ça. Oh là là. À mon avis, je pense que défoncer, c'est pas trop vulgaire. Disons que ça passe, non? Après, vous me le dites, hein, si ça passe pas, hein, moi j'arrête de le dire. Hein. Eh, franchement, alors là, mais on va se faire un kiff là, mais on va l'exploser. On va tout simplement exploser, mais ouais, y a rien d'autre à dire. Il y a une petite horde de gargouilles, ça va passer nickel, mon petit. Regarde-moi ça, horde de gargouilles. Boum boum, lui il est à niveau 8 en plus, c'est ça le pire. Ça qui est bon, tu vois. Hop là, ça passe ou pas? Ça passe. Bah voilà, ça passe, tranquillou, hein. On va se faire plaisir, voilà, donc on va envoyer ça. Voilà, tranquillou, les petites gardes, voilà, 3 d'élixir, ça coûte pas très cher. Et puis c'est sympathique, tout simplement. On va envoyer un petit cochon, si possible. On va pas envoyer de cochon, quoique. Si ça passe, si c'est bon, on envoie le cochon. On est chaud. On envoie. Oh, attends, en plus il tue. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Oh, si ça casse pas la tour. C'est vraiment que je suis malchanceux. Oh là 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 là. Mais c'est génial. Tu vois, je suis redescendu d'arène 7. Enfin, je suis redescendu d'arène 7. Du coup, bah hop, voilà, ça repasse. Je regagne normalement, comme d'habitude. Bah, c'est normal. Alors. Et puis le pire, c'est quand je redescends. Tu vois, c'est pas je perds comme ça, bon voilà. Non, tu vois, c'est vraiment je gagne, gagne. Et puis au dernier moment, boum, je perds, tu vois. C'est genre au dernier moment, il me détruit ma tour ou tout comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça, mais enfin bon. On peut pas comprendre, c'est comme ça, c'est. Qu'est-ce que je dis? Moi, c'est le jeu, enfin c'est le jeu, c'est. C'est le destin, je vais te dire. Bon alors. Ça passe plutôt bien. Je pense qu'on va bien le défendre en faisant ça. On va envoyer notre petit molosse de lave. Hop là. Là, il y a le démon là. Tu penses que là il a le seum là? Bah je pense que oui hein. Allez c'est parti, on envoie du Valky. On envoie du cochon. Et bien sûr on le défonce. Ah bah attends. Eh bah c'est normal non? Allez c'est parti, on envoie ça ou pas? On envoie ça? Bah allez carrément, et regarde en plus ça les gèle là, tranquillou pepperoni. Et bah voilà, on se fait plaisir, on envoie ça aussi. Voilà. Oh j'ai gagné. Bah j'ai gagné, bah voilà. Bah c'est nickel. Moi j'ai envie de te dire moi qu'on va se retrouver pour le coffre à couronne hein. On va pas non plus rester 10 ans là sur cette vidéo. Mais on s'est fait quand même plaisir. Bon, je vais rien dire parce que de toute façon, si je dis super combat, je dis super combat, ça va être mal pris. Et si je dis super combat et bonne chance, apparemment, ça serait plutôt mal pris. Donc du coup, bah, je dis plus rien moi. Hein. Je ferme ma tête. Hein. Je ferme ma bouche. Ah ouais, non, bah bon. Allez, moi je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne. C'est parti. Allez, c'est parti. On va ouvrir le coffre à couronne. J'en ai bien chié à aller voir ce coffre à couronne. Ça se voit à mes trophées. Hein. Oui, 2218. Ouais, effectivement. Alors c'est bien sympathique hein, l'esprit de glace, hein. Mais sans les gargouilles j'y arrive pas. Ah tiens un truc de fou. Déjà sans les flèches à la base j'ai du mal. Alors 460 d'or ça fait plutôt plaisir, 2 gemmes c'est plutôt pas mal aussi. Et sans les flèches déjà j'ai du mal. Mais alors sans les gargouilles, laisse tomber. Alors mini PK ça passe. 14 géants royal, bon bah voilà quoi. 5 sorciers, mais gros, arrête avec tes sorciers. Je veux de la Valkyrie, moi. Je veux du cochon, moi. Hein. Allez, c'est parti. Bon. Non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je m'attendais une épique, c'est pour ça. Mais non, franchement, c'est pas mal. 38 gargouilles, ça fait plaisir. Moi, j'ai envie de les augmenter niveau 10 et tout, quoi. T'imagines, là, les gargouilles niveau 10, là. Genre, ça ferait tout ça, là, niveau 10, là. Après, il faudrait que j'augmente la Valkyrie au niveau 7, le cochon niveau 7 et tout ça. Ça pourrait être vraiment pas mal.
ça pourrait être assez délirant. Après, j'aurais les gardes augmentés, j'aurais les sorciers de glace et le molosse de lave. Bon, malheureusement, ça va être compliqué parce que bon, on n'en a pas non plus tous les coins de rue des légendaires, mais déjà améliorer les gardes et puis les troupes principales là, ça serait déjà pas mal. Moi, j'aimerais bien améliorer à fond toutes ces troupes principales là. Comme ça, au moins, après, derrière, tu vois, tu peux faire genre, salut, je suis niveau 10. Mais j'ai les troupes maxées, je te défonce. Tu vois, non, ça va être pas mal, tu vois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup, bon, on va se laisser sur ce. On s'est fait une petit pack opening. On se fait un petit pack opening. Et du coup, ça fait plaisir. Moi, je vous laisse sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. N'oubliez pas, restez cool.